Ah non, alors là, c'est... parfois ça c'est pas moi qui me suis fait aggro, mais c'est elle. C'est super. Ouais. Je vais la rattraper vite. Ouah, mais attends-moi, mais qu'est-ce qu'elle fait où? Mais genre, elle se casse, bah voilà, en fait, là, si elle crève, tant pis pour sa gueule, quoi. Enfin, aussi, tant pis pour ma gueule, parce que je vais rater la quête, mais bon, elle est chiante en même temps. À courir sans nous, comme ça. Évite d'aggro, évite d'aggro. Non, parce que c'est une trisotte et elle est aggro. Ok, donc c'est le moment de faire une toute petite pause. Comment ça? Ah non, mais j'ai pas le temps de faire une pause moi. On fait des épisodes d'un quart d'heure donc on n'a pas le temps de faire de pause. Allez, avance. Bon, c'est ça, dégageons d'ici, c'est mieux. Où est-ce que tu vas? Est-ce que je peux faire, plaisir de vous rencontrer. Ah non. Si ça aurait été un vrai joueur, j'aurais pu faire suivre. Et là, je fais pas la suivre parce que c'est un mob. Bon, allez, avance, c'est bon, on a fini le combat. Allez, avance, bouge-toi. Ah, c'est énervant ça. Bon, en fait, moi. Ah, d'accord, en fait, elle me protège. Enfin, elle aussi, elle me. Enfin, par exemple, quand je suis en combat, et ben elle m'aide. Par contre, c'est pas ce qu'elle a fait avant. Mais elle le fait. Bon, allez, avance, 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 s'il te plaît. Ah, j'ai une quête à déposer ici. D'accord. Sinon, après, je vais faire la quête numéro 1 et 2. Oh, elle nage vite, hein. Où elle est, où elle est? Elle est là. Elle m'attendait. Ouais, voilà le camp de réfugiés. C'est super. Allez, avance. Oh, c'est quoi qui me suit? Ok, j'ai fini la quête. Bon, je vais déposer les deux quêtes ici. Parce qu'on y est, on est proche, donc ça tombe bien. Je suis honoré. On va prendre ces brassards là. Que la déesse vous protège. Que puis-je faire pour vous? On va prendre. Bah, ni l'un ni l'autre. On va prendre le truc le plus cher. C'est ça, le bâton. On va faire la quête. Il n'y a pas un vendeur ici? Si, voilà, là il y a un vendeur. Ça, je le détruis, j'en ai pas besoin. Parce que des quêtes, on en trouve, ça c'est pas un problème. Allez, on va faire la quête numéro 1 et 2, tout simplement. En fait, dans la quête 1 et 2, il faut ramasser un truc. Juste à côté d'un autre truc, donc c'est cool. Tuer la dompteuse de nuages. Ah non, encore, faut tuer la dompteuse de nuages, et juste à côté, il y a un objet à prendre. On va faire ça. Je me camoufle. Et bah voilà. Le bob en question a tué, il est ici. Et dans la même maison, il y a un objet à ramasser. Je verrai ça tout de suite, excusez-moi pour le bégaiement. Bon, on avance. Ouais, ah d'accord, faut parler à lui. Voilà. En fait, voilà, en gros, il y avait pas d'objet à ramasser, il fallait juste lui parler. Et moi, je m'occupe du mob. Du boss plutôt. Alors, j'ai pris du mob parce que vu ses PV, ça ressemble pas vraiment à un boss. Bon, bref, on va. Ouais, bah, encore une fois, la quête numéro 1 et 2 bah, se déroule au même endroit, donc c'est cool. C'est pratique. Ah, juste au moment où j'allais gonfler, et ben je me fais avoir, c'est super. Ok, donc si je me trompe pas, c'est la maison qui a... Oups, attendez. Ouais.
Ah non, ouais, voilà. Donc c'est la maison qui a juste ici. Il y a les mobs et le cadavre à parler. Allez, approche, approche, approche. Waouh, c'est un orque mage. Non, c'est un orque. Je crois que c'est la première fois qu'on joue contre des orques. Ah ouais, d'accord, il a posé une toile. Donc, je pense que c'était un chaman. Enfin, c'était un chaman. Ouais, encore une fois, la quête numéro 1 et 2, c'est de rouler au même endroit. Donc, c'est encore une fois très pratique. C'est dans cette maison ici. On va vite se recharger le poison mortel. Voilà. Ok, ouais, non, il n'y a pas encore de quête à déposer. En fait, on finit la quête numéro 1 et 2. On dépose les quêtes et puis on va faire l'autre truc qu'il y a à faire ici. Il faut chercher un truc. Enfin, c'est une quête toute simple qui, je pense, ne va pas rapporter beaucoup d'XP. Mais bon, c'est pas grave. Je me camoufle. Voilà. Maintenant, j'ai eu le temps de le faire et je me suis pas fait aggro avant. Donc c'est cool. Ah ouais, c'est tout droit les quêtes. C'est où? Attendez. Ouais, c'est ici. Je dois m'approcher. Et voilà. Sinon, le cadavre auquel on doit parler. Ouais, c'est lui, je crois. Ah non. Ouais, c'est lui. On y va. Allez, parle. Ah, ok, je suis trop loin. Ok, donc c'est bon. Ah, d'accord, la quête, faut juste la déposer ici. On va faire ça tout de suite. Je pense qu'il va nous donner une nouvelle quête. Au pire, c'est pas grave. La paix soit avec vous. Terminer la quête. Oh, un boss, ça c'est cool. Est-ce qu'il est loin? Non, ok, il est juste à côté. D'accord, alors attendez. Utiliser l'orbe rituel d'Aterli. Ok, d'accord, bon. J'ai pas envie de lire ce nom, c'est un peu saoulant. Oh non, mais j'ai re-aggro le mob spécial à battre là. Bon, ça va, c'est pas un boss, donc c'est cool. Ok, d'accord. Ça, c'est le boss que je dois battre. Mais attendez, c'est pas une quête de mon niveau, ça, si? Ouais. Ouais, à mon avis, c'est une quête de... Ouais, c'est forcément une quête de mon niveau. Je regarde juste si c'est... Ouais, bah, en fait, non, c'est bon, tu joues en 2 secondes. Même moi, j'ai plus de vie que lui, donc c'est cool. Ok, alors, attendez. Il faut juste... que je sache comment l'invoquer. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien. Bon, je sais pas comment... Je sais vraiment pas comment faire. Pour l'invoquer, il faut de l'essence, il me semble. Wow, ok, donc ça clignote ici, donc je pense qu'il faut se rapprocher de cette fameuse boule pour combattre le boss. Je me camoufle. Ouais, voilà, faut utiliser ça. Et là, il m'attaque normalement. Non, il me parle, et après il va m'attaquer. Bon, allez, descends là, il a que 700 PV et il fait le malin. Allez, viens, viens. Ah d'accord, en fait, les trois petites trucs, enfin les trois lumières ou les quatre, non, ouais, les quatre lumières que vous voyez, bah, c'est en fait tous les mobs spéciaux qu'on a battus. On a en quelque sorte pris leur âme et puis là on les fout à la gueule.
Je sais pas ce que ça va lui faire. Voilà, c'est bon, maintenant je peux l'attaquer. Le combat commence, ça devient intéressant. Oh, il a rétréci, il a commencé. Là, il fait moins peur. Et voilà. Ok, on va déposer la quête. Je regarde déjà ce que je vais prendre. Non, je vais pas prendre ça. Je me camoufle juste. Voilà. Je vais prendre plutôt... attendez. Moi, je vais prendre les jambières. Elles coûtent plus cher, donc je pourrais les revendre plus cher, logiquement. Donc, c'est mieux. Alors, c'est ce que je vais faire. Non, ok. En gros, faut déposer la quête au camp de réfugiés. Donc, j'y vais. Et en plus, je vais déposer l'autre quête en même temps. Donc voilà, en tout cas, moi j'aime bien être très organisé comme ça, savoir ce que je fais et tout ça. Au lieu de jouer à l'arrache comme ça, moi je préfère être organisé et savoir qu'est-ce que je fais et quand. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi en tout cas, c'est mon style de jeu, je vais dire ça comme ça. Être très organisé. Les jambières et la cheminée quête. Ok. Ouais, super, ouah, magnifique, 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 niveau 20. Alors, depuis le début du let's play, j'attendais d'arriver à ce moment-là. On passe enfin le niveau 20 et c'est arrivé. On a débloqué des nouveaux donjons. Apprenti cavalier, ok. Et on débloque enfin cette quête-là. Cette quête-là, si vous connaissez pas, c'est à chaque fois qu'on passe niveau 20, que ce soit avec n'importe quelle race. Et ben on débloque une quête comme ça qui s'affiche ici. Et en fait ils nous disent d'aller trouver un certain mob, ça dépend des personnages. Chaque personnage, chaque race a un différent mob, un différent maître de monte. Moi en l'occurrence c'était ce maître là qu'il fallait que je voie pour ma race. Donc voilà, il faut que je voie lui et là-bas je vais lui payer une licence pour monter. Enfin voilà, c'est une sorte de permis de conduire si vous préférez. Et une fois que je l'aurai, je pourrai m'acheter une monture et chez le même personnage. Il me semble que ça sera une sorte de tigre ou jaguar. Enfin, si je le vois en chemin, je vous dirai. Bon, quant à nous, pour l'instant, on a débloqué deux nouveaux trucs, j'ai remarqué. Alors, attendez, ça c'est... Ouais, ok. Ça a l'air cool. Poison affaiblissant. Enduit vos armes d'empoison non légal qui durent une heure. Chaque coup, à 50% de chance d'empoisonner l'ennemi. Et de réduire sa vitesse de dépassement de 50% pendant... Oh, c'est super, ça. Ok, donc, ça, c'est une technique. Je vais le mettre en haut. Mince. J'ai fait un petit problème. Je remets ça. Ouais, voilà. Je le remets ici. Sinon, ça, c'est... c'est une attaque. Donc, je la fous là. Enfin, je vais même la foutre ici. Je ne peux pas l'attaquer. Voilà. Ok, donc c'est bon, on va aller, je pense. Ouais. Ça, on peut faire cette quête là, ou alors ça, on peut aller prendre notre monture. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, on va prendre notre monture. On y va tout de suite, écoutez les gars. On va prendre la monture. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille. Non. Ok, donc c'est ici en fait, c'est. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma pierre de foyer. Histoire de retourner ici. Parce que ici, c'est mon foyer. Et puis, je prendrai le transporteur jusqu'à notre île de départ, on va dire ça comme ça. Je ne me sens plus vraiment de son nom. Le transporteur se trouve là-bas, si mes souvenirs sont bons. Oui, mes souvenirs sont bons. On prend le transporteur. Je crois que je vais vous mettre ça en accéléré. Bonjour. On va aller donc là-bas. Adieu. Je vous mets ça en accéléré.